sujet. Bon, bonjour, hein. Merci d'être venu. Je vous le dis de ma propre voix. Je vais vous parler des core routines aujourd'hui. Et pour commencer, rien de plus simple qu'une activity, puisque c'est comme ça que la plupart des applications Android commencent. Je vais faire une activité d'exemple. Et après, on va vouloir faire des choses que n'importe qui voudrait faire dans une application Android. Bon, on va commencer par la méthode onCreate, la bonne, celle-là, la 3, voilà. Supposons que ce soit un jeu et je veux accéder aux shared preferences. Tout le monde utilise les shared preferences dans ses applications Android. Bon, vous savez que les shared preferences, c'est un fichier XML derrière. Et quand on charge un fichier XML, c'est de l'input à output. Et donc, ça peut faire ramer un petit peu l'application le temps qu'on charge les shared preferences. Si jamais on est sur un téléphone bas de gamme, sur Android 9, c'est pas encore le cas, mais ça va arriver, et qu'il y a une mise à jour du Play Store, ça pourrait parfois prendre plus de 5 secondes. Au bout de 5 secondes, votre application elle est fermée sur Android 9. Sinon, c'est la petite pop-up, l'application ne répond pas, pas très sympa. Donc, on va essayer d'éviter de bloquer le thread principal. On sait que sur Android, c'est très mal de bloquer le thread principal. Et donc, pour ça, on va pouvoir lancer une coroutine, puisque la coroutine va nous permettre de passer en mode asynchrone très simplement. Au lieu de faire un callback pour dire voilà, je fais ça sur un autre thread et commencer un thread, on va commencer directement avec la coroutine. Alors, pour lancer une coroutine, avant, on utilisait le mot-clé launch, mais ça n'existe plus. Vous voyez, là, quand je tape, il ne reconnaît pas. C'est une nouveauté de Kotlin 1.3, il faut toujours mettre un scope. C'est-à-dire, une coroutine, ça commence, mais ça s'arrête aussi. C'est comme vous mangez, et après, il faut nettoyer, il faut débarrasser. Donc, il faut faire la même chose. Dans une activité, il y a le onCreate, il y a le onDestroy. Pour les CoroutineScope, ils ont voulu faire la même chose. Donc, si vous ne voulez pas débarrasser, vous utilisez le GlobalScope, un peu comme un port. Hein, et donc là, vous pouvez lancer une coroutine. Et donc, à partir du moment là, vous pouvez faire des appels non bloquants, comme le fameux delay, qui là, va faire rien d'autre qu'attendre une seconde. Mais on peut aussi accéder aux préférences. Donc, j'ai en l'occurrence quelque chose qui est déjà écrit, c'est les Game Preferences. Et là, vous voyez que on a un petit truc ici, là. Donc, ce qu'on a ici, c'est l'appel d'une fonction qui suspend. Ce que ça veut dire, c'est que là, on bloque le thread principal. Bon, il ne va pas se passer grand-chose, ce n'est pas bien grave. Là aussi, sauf à un moment, on va libérer le thread, mais on va pouvoir passer à la ligne d'après quand le truc d'au-dessus sera fini. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment ça pourrait fonctionner? C'est comme si vous écriviez du code bloquant, mais sauf que quand vous avez ça, et ben en fait, ça ne va pas bloquer. Ça va suspendre. Donc vous avez la même chose si vous faites des delay. Mettons que vous voulez attendre 1000 millisecondes. Vous voyez, vous avez encore ça. Par contre, si vous faites un appel bidon comme thread.sleep, par exemple, ben ça, c'est une fonction qui bloque. Et donc, on n'a pas le suspend function call. Donc là, hop, je prends mes préférences. Et là, par exemple, j'ai last time played. On va mettre system current time. En supposant que dès que tu rentres, c'est un jeu. Ça c'est un wrapper hein, sur les préférences. Mais il n'est jamais chargé sur le thread principal. Alors comment ça fonctionne? Parce que en fait, là, on croirait que c'est un constructeur. Qui pense que c'est un constructeur? Donc il y a une personne qui pense que c'est un constructeur, sinon vous pensez, deux personnes qui pensent que c'est un constructeur, qui pensent que c'est pas un constructeur? Qui n'a pas d'avis? Ah, voilà. Bon, je vois que j'ai semé le doute. Je vais appeler un constructeur pour que ce soit plus clair sur est-ce que c'en est un, ça. Est-ce que c'est un constructeur qui est appelé? Qui pense que c'est pas le cas? Et qui ne sait pas? Bon, ça c'est comme object, new object en Java. Là c'est le type any, donc c'est l'équivalent d'object hein, donc là il y a un constructeur qui est appelé, on peut le voir quand on regarde ici, voilà, il y avait même marqué constructeur quand on fait là il y avait marqué constructeur. Là par contre on voit qu'il n'y a pas marqué constructeur, on voit qu'il y a marqué companion object. Il y a des gens qui utilisent des companion object pour autre chose que mettre des constantes. Donc vous dites, c'est un peu embêtant, les companion object, faut toujours le mettre, alors qu'avant, Java, on avait le statique. Bah, en fait, le companion object, c'est vachement bien, parce qu'on peut lui faire implémenter des interfaces, il peut étendre une classe, et ça reste un singleton qui est lié à la classe. Donc là, en l'occurrence, le game preferences,
c'est un companion object sur lequel on appelle la fonction invoke, qui peut, en fait, on peut la remplacer par ça. Et donc ça, c'est une fonction qui suspend, donc avec le fameux mot-clé suspend. Et on peut du coup l'abréger comme ça en Kotlin. Alors le mot-clé suspend, vous voyez peut-être pas ce que c'est. Pour qui c'est pas clair ce que c'est que le mot-clé suspend? Ok. Alors, vous voyez là, on a le mot-clé fun pour fonction. On pourrait faire une autre fonction. On va l'appeler A. Beaucoup d'inspiration ce soir. Et on peut rajouter le mot-clé suspend. Donc ça, c'est ce qui transforme votre fonction en coroutine. C'est une fonction normale, une fonction suspend. La seule différence, c'est qu'elle peut appeler d'autres fonctions suspend. Mais alors vous dites à quoi bon? C'est parce que la fonction suspend, elle bloque pas le thread principal quand elle est en train d'attendre quelque chose. Mais elle retourne pas pour autant. Donc là, par exemple, cette fonction-là, elle bloque pas le thread principal. C'est une fonction suspend, on le voit bien ici. On a le fameux mot-clé suspend. Et donc là, ça attend une seconde avant de passer à la ligne d'après. Donc le code reste séquentiel, mais en vrai, sous le capot, c'est des callbacks partout. Enfin, en fait, c'est des continuations. C'est presque comme des callbacks. C'est plus optimisé, parce qu'ils ont essayé de faire les choses bien. Donc voilà, bon là vous voyez, il dit c'est redondant, ça sert à rien. Forcément, j'appelle aucune fonction suspend. Maintenant, si je veux appeler delay, je veux que cette fonction-là, elle retourne, enfin en fait, elle resume, qu'elle reprenne, puisqu'en vrai, elle retourne sous le capot, elle retourne tout de suite, mais le code ne continue pas. Il attend la continuation, donc quand la fameuse seconde est passée, là en l'occurrence, c'est une seconde. Donc là, on a le droit d'appeler une fonction suspend. Si j'enlève ça, on voit que j'ai plus le droit, c'est une erreur. La fonction delay, c'est une fonction suspend, elle doit être appelée seulement depuis une coroutine ou une autre suspend function. Alors c'est quoi la différence entre une coroutine et une suspend function? C'est un peu pareil en fait. Ce qu'on appelle une coroutine en général, c'est quand on n'était à la base pas dans une fonction suspend et qu'ensuite on en lance une. Donc là, vous voyez, on a le droit alors qu'on n'est pas dans une fonction suspend parce que la lambda, elle, ici, le bloc, on voit qu'il a le mot-clé suspend. Donc on a le droit de le faire. Et donc ça, c'est ce qui vient, c'est ce qui nous permet de passer du monde des fonctions normales au monde des coroutines. Là où on peut appeler, par exemple, cette joyeuseté, que bien entendu, on ne peut pas appeler là. Il nous dit, ah bah non, t'es pas dans une coroutine. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris comment ça fonctionne le mot-clé suspend? Bon, donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste un mot-clé qui permet d'appeler d'autres fonctions suspend. Et après, évidemment, il y a une implémentation qui à un moment permet de dire, bon bah là, j'ai fini, je reprendrai après. Donc pour le delay, en fait, il programme, c'est un peu comme le handler post-delayed dans Android, il programme pour une seconde et après il reprend. Donc ça, je vous ai dit, le global scope, c'est pas terrible. Parce que si vous faites un truc du genre ça, alors, il va me dire non, parce qu'il faut un long. Donc, ça va être long max value. Donc là, j'attends le temps maximal. Et puis là, je fais un gros objet. Bon, je mets any parce que j'ai pas de gros objet dispo sous la main. Mais, ah si, on peut en faire un. On peut faire un tableau. Ouais, donc là, on a un tableau un peu gros. On peut même le rendre un peu plus gros. Voilà. Donc là, on a un gros tableau, donc ça prend de la place dans la mémoire. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on a le onCreate qui est appelé quand l'activité est lancée. Il lance une coroutine, il charge les préférences, il met le dernier temps dans les préférences, puis il alloue un gros objet dans la mémoire, puis il attend le maximum qu'on puisse attendre. Donc en gros, là, c'est l'infini. Hein. C'est-à-dire, vous aurez d'abord le problème de ne plus avoir l'heure qui fonctionne sur votre téléphone avant d'arriver à la fin de cette coroutine. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une fuite de mémoire. C'est une fuite de mémoire parce que ce ne sera pas annulé. Donc là, après, on peut faire d'autres choses derrière, mais ça, l'objet, il va rester là. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand on a le onDestroy, ça annule la coroutine. Que ça annule, en fait, le delay, là, il supporte l'annulation. C'est très simple, vous voyez le launch, là, on va le mettre dans une variable. On va l'appeler job, parce que c'est un job en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. On va mettre le type explicitement, donc c'est le type job. Et le job, eh ben on peut l'annuler. Vous avez la méthode cancel. Donc c'est une fonction classique. Et donc ça, si on est sur une fonction qui supporte l'annulation, comme la fonction delay le permet, eh ben dans ce cas-là, on arrête tout de suite, ça arrête la coroutine, et du coup tous les objets qui étaient là-dedans, ils sont libérés.
le garbage collector va pouvoir faire son travail. Alors, c'est pas très joli de mettre des jobs.cancel partout. Donc, du coup, ils se sont dit, on va permettre aux gens de faire des scopes et après, automatiquement, ça va s'annuler. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai une extension définie dans ce projet-là, là où j'écris lifecycle. Vous connaissez lifecycle dans les architecture components, peut-être ? Donc, lifecycle. Et là-dessus, on a une extension coroutine scope. Et voilà. Et donc, ce lifecycle-là, il est annulé automatiquement quand on est sur le on-destroy. Si je veux qu'il soit annulé plutôt quand on est sur le on-start, c'est pas possible parce que dans le on-create, on n'est pas encore started. Mais par contre, on peut le faire si je fais ici ma fonction on-start. Donc, je fais lifecycle create scope. Alors, vous voyez, on a les deux. On a create job, create scope. Le scope inclut un job, en fait. Et le job, qui est automatiquement annulé quand le lifecycle passe en on-destroy ou en autre chose. Donc là, c'est active while. Donc je veux que mon scope il soit actif tant que on est started. Donc c'est-à-dire entre on-start et on-stop. Et après là, eh ben, je peux faire mon launch. Et donc ce sera annulé automatiquement quand l'activité sera plus visible. Et donc là, après, je mets ce que je veux. Je peux mettre un delay de une seconde. Après, je peux mettre un petit toast. Et puis je mets salut. Et puis après, je mets ça va être les gens. Wait for it. Peut-être que des gens, il y a des gens qu'on connaît apparemment. Donc c'est pas delay, c'est toast. Et on va mettre. On va quand même faire attendre un peu les gens, hein, parce que c'est marrant de faire attendre les gens. Surtout si on peut les filmer. Ah, mais c'est pas facile de filmer, hein, dans Android. Donc voilà, bon, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a le onStart. Ça crée un scope qui sera automatiquement annulé quand on sera plus en état started. Ça attend une seconde, ça fait un toast avec salut, une seconde, et ça dit, ça va être les gens. Et on sait pas la suite. Donc voilà. Comment on définit ça ? Donc le coroutine scope, donc c'est une extension, et on va regarder un peu comment elle est faite, comme ça vous saurez comment, si vous avez besoin de faire ce genre de choses-là pour des cas particuliers, à vous, vous saurez comment en faire. Alors là, il se trouve que j'ai fait une map globale, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein, mais ça permet d'être très facile à utiliser derrière, et puis ça marche très bien, juste on est obligé d'utiliser une concurrente HMAP, si jamais il y a des gens qui veulent l'utiliser en dehors du main thread. Donc ça c'est une map, donc du coup j'essaie de récupérer par rapport au lifecycle actuel, le fameux 10, j'essaie de récupérer le scope s'il y avait déjà, et sinon je récupère un job qui lui est aussi mis en cache, sinon il est créé, et donc après avec ce job là je fais un coroutine scope basé sur le job et sur le dispatcher main. Parce qu'en fait, la coroutine, il faut dire où est-ce qu'elle va tourner. Donc par défaut, là, dans le scope, elle va tourner sur le main thread. Mais ça ne va pas bloquer. Hein. Par contre, si on fait un thread sensible dedans, oui, ça va bloquer. Mais si on fait un delay, ça ne va pas bloquer. Si je veux lancer ma coroutine ailleurs, je peux mettre un autre dispatcher. Si l'autocomplétion est avec moi, oui. Donc vous voyez, on a plusieurs dispatchers. Parce que ça peut être intéressant de dire, bah, avec cette puissance-là, on voudrait peut-être choisir où est-ce qu'on fait tourner notre code. Donc on a le main thread, donc c'est celui d'Android. On a I/O pour input-output, donc ça c'est quand vous faites, par exemple, vous écrivez un fichier ou vous accédez à une base de données, des choses comme ça. Tout ce qui va toucher à des sorties, des entrées-sorties qui peuvent bloquer, il faut utiliser ce truc-là. Comme c'est marqué ici, ça va jusqu'à 64 threads. Après c'est bloqué pour éviter de consommer trop de RAM parce que chaque thread prend de la RAM. Et vous avez le dispatcher default. Le default, donc c'est pas le main thread, hein, mais le default c'est fait pour des choses liées au CPU. Donc par exemple si je veux gaspiller, je veux faire un gros calcul, par exemple je vais répéter 1000 fois 1 plus 1, voilà, ah, peut-être plus que 1000 fois. Comme ça va vraiment consommer du CPU 1 million de fois 1 plus 1. Donc ça, vaut mieux le faire dans le dispatcher default. Si vous faites ça sur le main thread, ça va bloquer jusqu'à temps que le calcul ait été fait 1 million de fois.
Donc en pratique, vous aurez peut-être d'autres calculs. Ça peut être allouer un très gros objet, ça peut être faire certains calculs. Il vaut mieux utiliser le dispatcher.default. Pourquoi pas le dispatcher.io qui peut aller jusqu'à 64 threads? Parce qu'en fait, vous n'avez pas 64 cœurs de processeur dans votre smartphone. En tout cas, aujourd'hui, la technologie, ce n'est pas ça. Le default, il est limité au nombre de cœurs de processeur dans l'appareil. Parce que ça ne sert à rien de mettre plus de tâches que le processeur ne peut exécuter en parallèle. Donc après, vous viendriez simplement prendre plus de RAM pour rien. Donc il faut utiliser le dispatcher default. Mais par contre, quand vous attendez que quelque chose d'autre soit fini, que vous n'avez pas besoin du CPU, vous êtes juste à attendre un appel bloquant, comme attendre que le fichier il soit lu, bah dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser dispatcher.io, ça vous permettra de mettre plusieurs choses en parallèle qui ne font que attendre. Mais évidemment, le mieux, c'est de ne pas avoir à bloquer pour attendre, parce qu'un thread, c'est à peu près 1 méga de RAM. Donc je vous fais un petit calcul comme ça tiré de mon chapeau. Mettons, vous voulez faire 1000 choses. Donc 1 méga fois 1000, ça fait 1 giga de RAM pour une application. Hein. Imaginez, vous voulez faire 1000 choses en parallèle. Vous prenez 1 giga pour une application, il y a des téléphones qui n'ont même pas 1 giga de RAM de disponible. Parce que le système, il prend toujours un peu et il y avait des téléphones qui avaient 512 mégas. Il y a encore des gens qui en utilisent aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre trop de traits. C'est pour ça que le I.O. il est limité à 64. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de les gaspiller. Et c'est pour ça que sur Android, vous avez toujours le main thread qui est réutilisé encore et encore pour tous les événements. Comme ça, par défaut, une application Android, elle est légère. Elle ne prend pas trop de place dans la mémoire. Donc on va revenir à cette petite implémentation. Donc, par défaut, ça utilise le dispatcher.main. Donc, vous voyez que ça, on n'est pas obligé de le préciser. Quand le job il est terminé, dans ce cas-là, on va supprimer le cache. On va le supprimer du cache. Donc là, vous voyez le moins égal, hein, c'est un appel à. C'est minus async et c'est un remove, quoi. Donc ça évite d'avoir une fuite de mémoire. Et donc le invoke on completion, en fait, il est annulé quand le job il est appelé quand le job est annulé. Donc on va voir ça d'où ça vient. C'est dans la méthode createJob que tout se passe. Donc là, on a le fameux paramètre ActiveWhile. Alors, on n'accepte pas Destroy parce que créer un truc qui s'active tant que c'est détruit, ça n'a pas de sens. Et donc là, on crée ce qu'on appelle un Supervisor Job. Alors, on pourrait utiliser le job normal, mais en fait, si jamais on annule une coroutine qui utilise ce scope-là, ça va empêcher le scope de lancer d'autres coroutines. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, le Supervisor... il permet de pouvoir annuler une partie des coroutines, mais pouvoir en lancer toujours d'autres. Si vous voulez annuler juste une partie du travail dans votre activité. Voilà. Sinon, on pourrait utiliser juste ça. Et donc après, si c'est déjà détruit, dans ce cas-là, j'annule directement. Et si le current state du lifecycle n'est pas détruit, dans ce cas-là, je fais un global scope launch. Alors ça, c'est parce qu'en fait, le lifecycle il n'est pas synchronisé. C'est-à-dire que quand on est dans le on start, le lifecycle, il n'est pas encore en état started, il est encore en created. Et donc, du coup, je suis obligé de poster pour que ça arrive après que le lifecycle soit mis à jour. C'est pour ça que je fais le global scope.launch. Sinon, je ne le ferai pas. Je ferai directement le add observer. Et donc, on voit, je ne fais aucun appel qui suspend. C'est vraiment, je pourrais faire la même chose avec un main handler post. Ça ferait pareil. Et donc là, après, j'ai un observer du lifecycle. Et donc, quand ça change, je regarde si le current state il est au moins à celui qui avait été passé en paramètre. Et donc, si ce n'est plus le cas, j'enlève l'observer et j'annule le job. Ça, c'est très important. Et donc, ça annulera les coroutines au possible. Parce que vous pouvez être dans un endroit là où ce n'est pas annulable. Revenons ici. Quand on est là, on ne peut pas annuler, en fait. Donc, ce que je pourrais peut-être faire, c'est... éviter de continuer si jamais ça a été annulé. Donc par exemple, je peux faire if is active, plutôt si on n'est pas actif, et dans ce cas-là, je fais un return. Je fais un return à launch. Donc ça veut dire que là, je vais arrêter d'exécuter la fonction repeat. Parce que si je fais un return at repeat, je reviens. C'est comme si je terminais la lambda, et après, ça va faire l'itération d'après. Donc ça, ce is active, en fait, il est défini dans le coroutine scope qu'on a ici en receiver. Donc c'est le 10, quoi. Si je tape 10, on voit que c'est le coroutine scope qui est passé par cette lambda. Et donc là, ça permettra après de finir directement si c'est le cas. Donc par défaut, vous voyez, c'est pas, ça ne permet pas d'annuler de manière magique. Il faut bien que ce soit supporté. Donc là, le delay il permet de le faire.
Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de partir sur un cas d'usage assez courant. C'est on a besoin de faire un appel à une API. Ça prend un certain temps de faire un appel à une API. Une API REST, hein, par exemple. Donc là, on aimerait que ça puisse que ce soit facile à utiliser. Vous avez peut-être utilisé Retrofit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Retrofit avec les coroutines parmi vous? D'accord. Alors, bon, je vais vous montrer. On va faire un nouveau fichier et on va faire une API bidon. API bidon. Ça peut être une interface. Et donc là, on va faire une fonction, on va lui dire check selfie, comme ça, il n'y a rien à envoyer, rien à récupérer, c'est simple. Donc c'est un... Oula. Donc là, j'utilise la... le call de Retrofit. Voilà, et alors après normalement j'utilise Retrofit pour le Retrofit Builder pour créer une instance, mais j'ai pas envie de m'embêter, donc du coup je vais faire un truc un peu moche. Je vais dire que oui, crois-moi, je vais te renvoyer une API bidon. Et en fait, jamais. Et donc cette API bidon, du coup maintenant je peux l'utiliser ici. Non, il ne veut pas. Ah oui, je l'ai appelé API. Bidon. Donc là, j'ai la méthode check selfie. Et donc si je veux l'utiliser, on a le execute qui va bloquer le thread courant. Et là, comme on est sur le thread principal, puisqu'on utilise le scope par défaut, c'est mal. D'ailleurs, je vais enlever ça pour qu'on se concentre sur l'important. Donc là, ça bloque le thread principal. Donc sur Android, on a un Network on Main Thread Exception. Donc ça ne va pas marcher. On a le NQ. Et donc le NQ, c'est très sympa à utiliser. Hein. Bah, c'est ça. Et là, bah, débrouille-toi pour les erreurs. Puis si tu as 10 appels ou 3 ou même 2, bah, débrouille-toi. C'est pas très simple. C'est pas très pratique. En général, notre base de code elle devient rapidement moins jolie quand on en a un peu trop de ces fameux callback L. Donc on va s'en échapper de ce callback L, et pour ça on voudrait, à la place d'un NQ, on voudrait avoir un petit await. Donc bah, du coup je vais appeler await. Ah, il n'existe pas. Bon bah on va créer une extension. Hein. Voilà, bah, ça renvoie T. Et bah, pour moi on est en tout doute. Donc bah, en théorie ça marche, en pratique non. Faut régler ce problème là. On va utiliser le callback, mais le callback on va l'écrire qu'une seule fois. Après on veut plus en entendre parler. On veut que ce soit très simple à utiliser. Donc je fais un NQ, je mets le fameux callback puisque j'en ai besoin. Mais là en fait on n'est pas dans une coroutine, là c'est une méthode bloquante pour moi, donc faut rajouter le mot clé suspend. Est-ce que c'est magique? Visiblement non. Donc on va aller un peu plus loin. Et on va utiliser la fonction définie dans la librairie standard Kotlin qui s'appelle suspendCoroutine. Donc là, voilà. Merci IDE d'écrire ça pour nous. Et donc là, c'est pas encore fini. Quand on regarde cette fonction-là, elle prend un paramètre. Donc là, si on regarde le hit, c'est une continuation. Donc je vous parlais tout à l'heure que... les coroutines sont transformées en continuation. C'est un peu comme les callbacks, mais en mieux, pour faire simple. Là, on la manipule vraiment, notre continuation. On voit que c'est un type qui est générique. On peut même regarder peut-être à quoi ça ressemble, si l'IDE est sympa. Non, il n'est pas sympa. C'est pas grave. On va trouver une solution. On va renommer ça. On va l'appeler continuation, et puis on va mettre le type explicitement. Puis ça, on va la renommer en C, en fait. Parce qu'on a compris que c'est une continuation. Donc cette interface-là, en fait, elle a juste le contexte et le resume with. Et donc là, le résultat, en fait, c'est soit une exception, soit la valeur. Donc soit le résultat, en gros, soit ça donne raté, soit ça ne s'est pas bien passé, ce qui peut toujours arriver. Hein.
faut jamais être trop naïf à cet égard. Donc on a notre continuation, et ce qu'on aimerait du coup, c'est faire le fameux régime WIS. Donc là, quand on a une faillure, on va envoyer l'exception. Vous voyez, vous avez le throwable ici. Donc on fait c.resume, et là on a trois résultats. On en avait vu qu'un dans l'interface, et en fait on a deux fonctions d'extension, on a resume et resume with exception. Bah, du coup on va directement l'utiliser. Donc là en l'occurrence c'est resume with exception, on lui envoie t, du coup on peut enlever ça, et là on a géré les erreurs, presque. Et donc quand on a la réponse, quand ça s'est bien passé, on aimerait récupérer la valeur, donc on prend notre continuation, on fait un resume, et on a la réponse, mais c'est pas le bon type. Par contre, le body, ce sera le bon type. Alors, en théorie, il peut être nul. En pratique, si votre API, votre converteur de rétrofit renvoie de nul, c'est qu'il y a quelque chose de pas bon. Donc, on va dire si, c'est là. Et on peut terminer comme ça. Donc là, notre fonction, là, elle va fonctionner. Donc, ça suspend. Et en fait, ça attend que sur la continuation, on fasse un résumé avec une exception ou avec une valeur. Et donc, cette fonction-là, ne terminera que quand on aura une de ces deux méthodes qui est appelée. Et donc, bah du coup, au-dessus maintenant, on a notre fameux suspend function call, mais on a un petit problème, c'est que s'il n'y a pas de réseau, bah, ça va envoyer une exception. Parce que du coup, c'est ce que ça va faire. Hein. Quand on fait le resume with exception, c'est comme si la méthode, ici, ce qui va se passer, c'est que la méthode va envoyer l'exception derrière. Et bah tout ça, pour ça, rien de plus simple qu'un bet try catch, et puis bah là on peut mettre une exception. Donc alors je fais pas les throwables, je fais que les exceptions. En pratique les throwables purs c'est pas trop utilisé, et puis après bah je peux gérer si c'est une exception HTTP, et c'est peut-être ça qu'on a oublié de gérer. Alors je finis, donc là par exemple on va gérer l'exception HTTP, un jour, quand on aura fini. Donc pour revenir à ici, là quand on a une réponse, ça ne veut pas dire que la réponse était OK. Puisqu'on voit, dans le response, il y a le fameux is successful. C'est ça qui rendait le callback encore plus compliqué à utiliser. Mais là, on va pouvoir le transformer en exception très simplement. Donc là, si ça s'est fait avec succès, dans ce cas-là, très bien. Et si ça n'est pas le cas, on va reprendre la continuation avec une exception, et donc cette exception ce sera une HTTP exception. Et donc c'est la même exception qu'on catch ici. Mais alors maintenant on dit c'est super, donc on a le try catch. Est-ce que vous trouvez que c'est plus simple que quand vous faites un callback simple? Mettons que vous avez plusieurs appels à l'API, seulement quand tous ils sont finis, vous devez les terminer. Donc, par exemple, vous avez besoin de vérifier 10 fois le selfie pour être vraiment sûr. Là, on est à 5. Voilà, là, on vérifie 10 fois le selfie et on gère l'erreur qu'une seule fois. Est-ce que c'est pas plus simple que quand on avait tous nos callbacks? Et puis, mettons que le devback, hein, nous a dit ouais, attends, faut pas appeler trop souvent, faut quand même attendre 500 millisecondes. J'espère que c'est pas ce que vous avez, mais mettons il vous dit faut attendre 500 millisecondes avant chaque chose. Bon bah dans ce cas-là vous attendez 500 millisecondes. Puis vous pouvez peut-être répéter le truc 10 fois parce que vous avez accès aux autres méthodes. Donc en fait on va répéter 10 fois ceci. Hop, on supprime tout ça. Et voilà. Et donc là, 10 fois, on vérifie le selfie sur l'API bidon, on attend 500 millisecondes et on recommence. Alors, en fait, ça sert à rien d'attendre pour la dernière fois. Donc du coup, c'est si i est différent de 9. Parce que ça, normalement, c'est bien l'index. Il nous dit que c'est index basé sur 0. Donc voilà, donc la 9e fois, on n'attendra pas. Enfin, la 9e fois, la 10e fois, mais à l'index 9. Voilà, et donc du coup, bah, en fait, on a un seul try catch pour tout. Après, on pourrait faire autre chose hein, qui peut avoir une erreur potentielle.
Je pense à, par exemple, la caméra. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé l'API Caméra 2 sur Android? J'aimerais bien que vous leviez votre main. Et d'accord. Ah oui, 4 personnes, 5 personnes. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez aimé ce passage de votre vie? Si vous avez aimé ce passage de votre vie, levez votre main. Si vous n'avez pas aimé le passage de votre vie, c'est maintenant qu'il faut lever sa main. Ah, on a des mains levées. Ah, 4 mains levées sur 5. D'accord. Bon, c'est pas très sympa, apparemment, l'API Caméra 2, parce qu'il y a plein d'erreurs à gérer. Et donc, par exemple, on veut filmer, on aimerait que ce soit plus simple. Bon, supposons qu'on pouvait juste avoir ça avec une fonction qui suspend, sans bloquer le thread principal. On attend que la vidéo soit terminée, puis après, on reprend. On pourrait avoir une fonction qui ressemble à ça. Record vidéo. Voilà. Elle pourrait peut-être nous renvoyer, par exemple, une URI, là où il y a le fichier vidéo, une fois terminé. Et là, il manque quelque chose, c'est qu'on ne dit pas pour combien de temps on veut enregistrer la vidéo, jusqu'à quand on s'arrête. Donc on peut dire, on va mettre un bloc. Et donc quand ce bloc il sera exécuté, un bloc qui peut suspendre, quand ce bloc sera exécuté, l'enregistrement se terminera. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il commence l'enregistrement, il exécute le bloc. Le bloc, il peut se contenter d'attendre, par exemple, un clic sur un bouton, le bouton arrêté, et puis après, il termine. Et donc, ça, après, ce serait super simple. On appelle notre méthode record vidéo. Donc, on met nos accolades. Par exemple, on va enregistrer juste pour 3 secondes. Hop, voilà, on enregistre 3 secondes et c'est terminé. Donc ça, c'est la théorie. Est-ce qu'en pratique, on peut avoir ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir ça en pratique? La réponse, c'est oui, mais pas en prod. Parce qu'on ne demande pas la permission, donc ça ne va pas marcher. Donc, il faut demander la permission. Est-ce que c'est sympa de redemander les permissions sur Android? Qui aime demander les permissions runtime sur Android? D'accord. Ok, à chaque fois que je pose ce genre de questions, je ne vais pas avoir beaucoup de réponses, j'ai l'impression. On va demander la permission. Hein. Request permission. Ah, on en a plusieurs. Alors, on en a une avec un array string, avec du platform type, là, le petit point d'exclamation qu'on n'aime pas trop, on ne sait pas si ce sera nul. On en a un autre aussi, là. C'est peut-être moi qui l'ai fait, celui-là. Bon, on va voir. Ah, c'est une fonction qui suspend. Est-ce que ce serait plus simple que prévu? Donc on a besoin de la permission caméra. Donc hop, manifest permission caméra. Et puis du coup, si jamais ça plante, on va aller dans le cache. Alors ce serait bien de gérer quand même que la permission a été refusée. Donc on va écrire ça, permission denied exception. Une exception que j'ai écrite à la main, je l'admets. Et donc là, en théorie, on pourrait demander la permission caméra. Ça demanderait à l'utilisateur, est-ce que tu veux bien accepter la caméra? Et si jamais il refuse, on arrive ici dans le to-do, ça crache l'appli, super. Et s'il accepte, ça reprend la continuation. Et donc ça enregistre la vidéo pendant 3 secondes. Et puis après, on en fait quelque chose. On verra après ce qu'on en fera. Alors déjà, vous demandez, est-ce que le request permission, il fonctionne? Qui pense qu'il ne fonctionne pas? Bon, je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est quelque chose, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la solution. Alors, il fut un temps sur Android là où il n'y avait pas les coroutines, là où les gens n'utilisaient même pas Kotlin. Les coroutines, c'est arrivé dans Kotlin 1.1, pour rappel. C'était expérimental jusqu'à Kotlin 1.2.71 et la version 1.3.0 que j'utilise dans ce projet-là. Les a stabilisés, donc maintenant l'API n'est pas prête de bouger de sitôt. Et je suis très content d'avoir utilisé la version expérimentale parce que ça fait beaucoup moins de code à écrire et je suis un peu flemmard. Donc cette fonction request permission, donc elle marche sur les fragment activity. Elle prend la permission. Si jamais on est sur une version qui ne supporte pas les permissions à demander à l'utilisateur, on l'a déjà, donc on retourne. Et donc après, si la permission elle est déjà donnée,
Donc on a le permission granted, on retourne. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on affiche un dialog fragment qui demande la permission. Alors en fait, pourquoi je suis obligé d'afficher un dialog fragment? C'est que sur Android, si on ne fait pas ça, dans ce cas-là, on est obligé de polluer tous les endroits où on demande la permission avec ce truc sympa. On request permission result request code avec un tableau de string des grand result avec un autre tableau de la même taille en théorie. Je crois que certains constructeurs ne respectent pas toujours cette convention. Et donc là, après, bah, vous vous débrouillez. Donc, bah, j'ai pas envie de me faire du mal. Donc, du coup, j'ai voulu implémenter ça une bonne fois pour toutes. Cette fonction-là, on peut l'avoir dans une activity et dans un fragment. C'est pour ça que je fais un dialog fragment, parce qu'un dialog fragment, ça reste un fragment. Donc là, j'ai une fonction qui suspend. Si Android était bien fait, j'aurais pas besoin. Mais en pratique, vous savez que si on affiche un dialog fragment et qu'on quitte tout de suite l'activité, mettons, ça arrive au moment où l'utilisateur il clique sur un bouton. Et puis très vite, il y a une autre activité qui se lance. Par exemple, il reçoit un appel ou il appuie sur le bouton home. Et bien dans ce cas-là, notre activité elle passe en pause. Elle est en state pause et on n'a plus le droit de toucher au fragment quand on est en pause. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est appelé après le on pause de l'affichage du fragment, même quand c'est une action directe de l'utilisateur. Donc du coup, je me suis dit non, assez. Donc j'ai fait une fonction show qui prend, en fait, c'est une lambda ça, hein. Une référence de méthode. Vous voyez, en fait, ça prend une lambda. Donc c'est le fameux constructeur du fragment. On peut le convertir en IDE, on permet de le transformer en comme ça. Et donc cette fonction là, elle délègue à une fonction qui utilise le fragment manager. Donc là, on a besoin du lifecycle pour être sûr que on est en resume. Et donc du coup, on attend que ce soit resume. Si le on pause a été appelé, eh ben on va attendre ici. On va attendre le changement. Et quand l'utilisateur y revient, hop, on continue. Et puis si on est déjà résumé, enfin, j'ai pas la bonne traduction en français, désolé, ça retombe tout de suite. Donc ça, c'est un peu dans le même genre que le create scope. On a un lifecycle observer, mais si jamais l'état était déjà le bon, dans ce cas-là, on a un fast pass ici pour retourner dès que possible. Donc ce code-là est en ligne, je vous donnerai le lien après, vous pourrez l'examiner et tenter de trouver un bug sans aucun problème. Donc après, là, le fameux hit, c'est le dialog fragment. Vous voyez, il est de type DF. DF, c'est le type générique qui est un dialog fragment. Et donc je l'affiche seulement quand on est dans l'état resumed. Et donc ça, c'est si l'état a été sauvegardé. Si c'est pas le cas, on n'a pas besoin. Et donc du coup, ça me permet d'afficher le fragment sans faire planter mon application, avec le fameux illegal state exception. Et ensuite, là, ça en fait, c'est une propriété qui est dans le permission request dialog fragment. Donc la fonction est un petit peu avancée, mais en fait, elle crée le fragment et après, je peux directement mettre des arguments dessus. Donc là, le permission name est défini dans cette classe-là, que vous voyez juste avant. Donc ça, c'est utilisé que sur l'API 23. Et donc en fait, c'est pas un argument. J'aurais pu utiliser quelque chose comme ça, hein. By arg, or nul, parce que du coup ça peut être nul. J'aurais pu utiliser quelque chose comme ça, mais c'est pas ce que je veux. Parce qu'en fait, ma coroutine, elle est annulée quand le lifecycle est destroyed. Donc mettons que vous avez une activité et que quand vous tournez l'écran, vous voulez redémarrer l'activité, le comportement par défaut, dans ce cas-là, la coroutine elle va être annulée complètement. Et moi, je veux pas que vu que la coroutine va être annulée, je veux pas recevoir le résultat de la permission. Je veux le recevoir seulement au premier coup. Et sachant que c'est juste une boîte de dialogue, que c'est pas un start activity for result, mais c'est quelque chose qui est par-dessus, mon activité elle va rester en vie derrière. Donc, je m'intéresse que à ce cas-là. C'est pour ça que j'utilise pas un argument en bonne et due forme. Donc on a le nom de la permission qu'on avait mis tout à l'heure, et donc là on a notre fameux onRequestPermissionResult. Et donc quand on arrive ici, donc là c'est dans le cas là où l'activité a été relancée, il y aura une nouvelle demande de permission qui sera faite, l'autre sera annulée. Donc c'est ce qui se passe ici, et donc là si la permission elle est bien donnée,
Dans ce cas-là, j'ai le fameux async grant. Le async grant, c'est un completable deferred. Est-ce que vous voyez ce que ça pourrait faire comme type? Completable deferred. Est-ce que c'est confus pour quelqu'un ce que ça pourrait faire? Si oui, levez votre main. Donc le completable deferred, je lui dis c'est terminé. Donc là, unit, je ne mets rien, j'ai juste besoin de savoir que ce soit terminé. Donc là, c'est quand la permission a été donnée. Si jamais la permission n'a pas été donnée, dans ce cas-là, j'envoie une exception. Donc complete exceptionally, avec la permission refusée. Je mets le nom de la permission et je regarde si l'utilisateur a dit ne plus jamais demander. Il y avait cette fameuse fonction fournie dans Android. Et après, j'enlève le fragment en autorisant la perte de l'état, puisqu'on ne s'en sert pas du tout. C'est bien pour ça qu'ici, on a un return quand le permission name est nul. C'est que le fragment a été relancé par Android et pas par notre coroutine. Et donc après, ce async grant, on a la fonction awaitGrant. La fonction awaitGrant qu'on utilise ici. Et donc là, ça nous permet, avec, au final, une seule fonction, de demander la permission. Et après, on peut demander plein de permissions. Hein. Alors, demander la caméra plusieurs fois, ça ne sert à rien. Mais par contre, si on veut aussi avoir la localisation approximative et le microphone, ça doit être sound. Si quelqu'un se souvient de la permission pour avoir le microphone ? Record audio. Record audio, c'est ça, très bien, merci. J'évite d'atteindre à la vie privée comme ça. Moi, je suis enregistré là. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et à chaque fois, on gère tout ici. Alors, on peut mettre un catch exprès pour les permissions refusées. Et dans notre permission, donc on a le fameux si l'utilisateur, il a dit ne plus jamais demander. Et on a le nom de la permission. Ça peut nous permettre de faire une désambiguation derrière. Alors, je ne vais pas vous montrer ce code tourné sur l'écran là, mais c'est sur mon téléphone, vous pourrez regarder, ça marche. Hein, et puis vous pourrez essayer chez vous, surtout. Voilà, alors pour le record vidéo, c'est toujours un doux rêve hein, pour le moment. Va falloir qu'on voit si on n'a pas un projet qui permet de le faire. Alors, vu pour certaines raisons, notamment le manque de temps, le projet n'est pas synchronisé, mais c'est pas grave. On va voir le code qui s'en sert. Et après, de là, on va partir à comment ce code a été écrit. Donc là-dedans, dans ce projet-là, on a cette fonction-là, qui a un nom super mal choisi. Ça, c'est juste créer une petite interface. J'utilise pas du XML pour faire interface, mais bon, c'est juste un linear layout avec une text view dedans et une progress bar. Et là-dedans, donc on utilise le fameux coroutine scope. On lance, on attend que l'état ça soit started. Alors ça, on n'a plus le problème. J'enlèverai quand j'aurai. Avant, j'avais pas mis le global scope.launch. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure. Il y avait un problème, c'est que quand on est dans le onStart, le lifecycle il n'est pas encore started. C'est plus le cas dans la version là où j'ai corrigé le bug. Mais dans ce projet-là, c'est encore le cas. Donc on va le laisser, c'est pas grave. J'attends que je sois en started. Et après, j'enregistre une vidéo sample. Alors, l'API Caméra 2, elle prend en paramètre un handler. Si on ne lui donne pas le handler, elle utilise le main handler. Et en fait, l'API Caméra 2, elle fait pas mal de choses. C'est de l'IO, hein, la Caméra 2. Même quand on n'est pas en train d'enregistrer, même quand on se contente d'accéder à la caméra, c'est une entrée-sortie entre le processeur et la caméra. Et donc, ça prend du temps. Et donc, si on laisse ce truc par défaut, eh ben, on voit notre application laguer un petit peu. Et au fur et à mesure que le téléphone se fait vieux ou qu'il est ancien, on le remarque beaucoup plus. Ce n'est pas très sympa pour nos utilisateurs. Donc, on utilise un handler context. Globalement, ce que ça fait, c'est que ça permettra d'avoir un handler qui n'est pas le main handler. Donc, il ne va pas poser des problèmes sur le main thread. Et il sera accessible après partout dans le coroutine contexte. Le coroutine contexte, j'en ai pas parlé, mais en fait, dans le coroutine scope que vous avez vu, et ben c'est ce qu'il y a. Le coroutine scope, en fait, c'est juste un wrapper pour le coroutine contexte, mais aussi pour dire quand on a terminé, et ben on annule tout.
Quand on sort d'un core routine scope, on a tout terminé. Je vais vous montrer après comment on peut faire plusieurs scopes, parce qu'un scope pour juste l'activité, c'est bien, mais après, on peut faire des scopes plus petits. Là, en l'occurrence, il permet d'accéder au handler context, il aura un nom caméra. Après, je récupère le fichier là où je vais enregistrer. Donc là, on a le fameux pass. Et là, on enregistre la vidéo avec la caméra de derrière. Le fichier de sortie, c'est ce truc-là, qu'on a défini juste au-dessus. Et alors là, en fait, le dispatcher, c'est celui qui a été créé ici. Là, il y a un dispatcher qui est créé sous le capot. Donc, on n'est plus dans le main thread. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'utilise withContext. Donc, le contexte, en fait, là, y a, le dispatcher, c'est une partie, ça peut être un contexte. On pourrait mettre autre chose. Mais là, du coup, ce que ça fait, c'est que ça utilise le contexte qu'on a déjà, mais ça change du dispatcher pour repasser sur le main thread. Et donc là, après, j'ai le droit de faire un toast. Ensuite, j'attends 6 secondes. Et puis là, après, je dis le recording a succeeded. Ce que je pourrais faire à la place, au lieu d'avoir un delay, je pourrais faire stop button. Et puis, je pourrais avoir une méthode qui s'appelle await one click, par exemple. Donc, évidemment, là, le dev ne va rien nous dire. Cette fonction n'existe pas dans ce projet. Finalement, on peut enregistrer avec une seule ligne de code, en fait. Enfin, on les erreurs, vous voyez qu'en fait, c'est ce qui devient le plus long. Là, on a un catch si jamais on n'avait pas la permission. Donc, c'est si on ne l'avait pas demandé et qu'on n'avait pas vérifié avant de lancer. Et après, on a les fameuses camera access exception, le cam state exception, etc. Après, on a tout un tas de possibilités d'erreurs si jamais on n'a pas pu accéder à la caméra. Donc, on les a tous. Mais ce qui est bien, c'est que pour faire juste notre enregistrement, on est à quelque chose de très simple. Et après, là, tout ce code de gestion de l'erreur, on peut le cacher dans une fonction pour gérer de manière générique les erreurs liées à la caméra ou même les exceptions de tout type. En général, ce n'est pas optimal de faire une fonction qui est générique pour tous les types d'exceptions, mais c'est quelque chose qui est possible et ça peut beaucoup épurer notre code. Donc cette fonction record vidéo, on ne va pas pouvoir voir comment elle est faite, mais ce code-là est open source. Si vous cherchez caméra coroutines, vous verrez ce que j'ai essayé de faire. J'ai pas fini, donc pour le moment ça peut juste enregistrer des vidéos, ça peut pas prendre de photos, ça peut pas faire le slow motion. La API caméra 2 est très vaste. Vous connaissez peut-être le Google Pixel qui fait de très belles photos, des films pas mal et tout, et d'autres téléphones qui font de très beaux films. Tout ça, ça passe par la API caméra 2. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités différentes. Donc moi, je me suis concentré sur l'enregistrement de la vidéo. Je peux mettre le son aussi, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de lier l'API caméra 2 avec le media recorder et on lui dit bah, mets le son aussi. Et donc c'est assez simple. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est possible d'avoir ce doux rêve. En supposant qu'on gère notre caméra access exception et les autres erreurs qu'on a vues à côté, c'était cam state exception. Alors là, c'est que sur l'API 21. Merci, je n'ai pas besoin de ton aide. Ça n'arrivera pas si on n'est pas sur l'API 21. Peut-être que si, en fait. Bon, et c'est pas grave. C'est pas le focus. Mais voilà, on peut mettre n'importe quoi qui attend ici derrière. Et après, tout ce qui nous intéresse derrière, c'est gérer les erreurs. Voilà, après, si on, mettons, on a le record vidéo et on pourrait aussi faire une classe ou une classe qui nous dit qui encapsule l'erreur. Et Kotlin nous permet de faire ça. Dans Kotlin 1.3, on a quelque chose de sympa qui s'appelle run catching. Pourquoi il ne l'importe pas? Petit bug dans l'IDE. Oui, c'est juste un bug dans l'IDE. Donc, on peut faire le run catching. Et donc, le run catching, ici, vous voyez, on a le is failure, is success. Et donc là-dessus, après, on pourrait faire une extension sur le fait que ça ait marché ou pas, en fait. Vous avez peut-être déjà utilisé des silly de classes, des classes qui encapsulent un résultat. Donc, dans Kotlin, il y en a un. Il est fait juste pour encapsuler du code qui peut envoyer une exception. Et donc après, si vous voulez récupérer le résultat, donc par exemple, là, on va faire... en fait, je n'aurais pas l'appeler URI, je devrais l'appeler URI result. Et après, je peux faire un getter null, par exemple.
Et puis là, bah, après, je peux aussi faire autre chose. Je peux aussi faire si. C'est un échec. Bah, dans ce cas-là, après, je pourrais avoir un retry, par exemple. Hein. Donc, évidemment, ce serait peut-être autrement. Ça pourrait être une boucle while. Une boucle while avec une condition dans laquelle on fait un break, on annule. Et donc, bah, on réessaye jusqu'à temps que l'utilisateur il abandonne ou alors que ça marche avec succès. Et les boucles while, c'est super dans les coroutines. C'est une boucle while, on ne fait pas en code bloquant sur le main thread. Parce que si on fait une boucle while comme ça et qu'on attend que l'utilisateur clique sur un bouton, bah, on bloque le thread là où on peut recevoir le clic sur le bouton. Mais là, on peut. Vous voyez, ici, là, quand on a le repeat 10, si le premier, il y a un échec, eh ben, il passe directement dans le bloc catch. Et donc, c'est pareil si on a une boucle while autour. On pourrait faire un while true, que ce serait presque une bonne pratique. Vous allez voir pourquoi je dis presque. C'est que... oui, c'est bon. C'est que là... ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est que quand c'est annulé, on voudrait ne pas recommencer. Donc, dans ce cas-là, on remplace juste le true par isActive, qui est dans le scope. Et donc, dans ce cas-là, si jamais on arrive à la fin d'une itération de la boucle et que l'activité elle est détruite, eh ben, on ne recommencera pas la boucle while et on pourra passer à la ligne d'après, qui très certainement sera annulée. Parce que c'est ce qui va se passer sur les fonctions qui le supportent. Et donc là, vous dites l'annulation, comment ça marche exactement, je suppose. Parce que là, en fait, là, ça ne peut pas être annulé. Là, ça suspend. Et donc, bah, si jamais le back-end, il prend, mettons, on n'a pas mis timeout, et puis il prend une heure à répondre, bah, notre coroutine, elle va être suspendue pendant une heure. Ce n'est pas terrible. Donc, dans ce cas-là, on va faire un suspend cancelable coroutine. Et donc là, il nous reste quelque chose à faire. C'est qu'il faut qu'on supporte l'annulation. Ah oui, c'est ça. J'ai enlevé le type explicite parce qu'en fait, maintenant, on n'a pas une simple continuation, mais on a une continuation qui peut être annulée. Bon, j'enlève le type parce que je pense que c'est assez clair. Et donc là-dessus, on a le invoke on cancellation. Et ici, ça va nous permettre d'annuler notre call. Hop, là, on a le cancel. Le cancel, c'est ce qui est défini dans Retrofit. Et donc, ça va annuler la requête si jamais ça annule. En fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous quittez l'activité, le lifecycle il passe en destroyed, ça annule le scope. Donc, toutes les coroutines filles. Donc, en l'occurrence, ça dérive de ce scope-là. Donc, ça va recevoir l'annulation. Ici, la fonction await, elle peut être annulée. Et donc là, bah, cette méthode-là va être appelée avec le cancel. Et puis, bah, du coup, tout ça, ce sera oublié, puisque bah, OKHTTP va oublier le callback qu'on lui aura passé automatiquement. Alors, quelque chose qui est pas mal à utiliser dans les coroutines, c'est pas que le try-catch, mais c'est aussi le try-finally. C'est-à-dire que vous commencez quelque chose, vous ne voulez pas forcément générer des erreurs, mais vous voulez nettoyer à la fin. Donc, bah, je pense que vous voyez comment ça fonctionne, le finally. Et c'est ce que j'utilise à côté. Quand j'enregistre la vidéo, après, il faut fermer la caméra quand c'est terminé. Et donc, derrière cet appel-là, il y a un try finally. Et donc, si jamais, ici, mon code, pour une raison X ou Y, il plante, le finally sera quand même exécuté. Et donc, ça évitera de laisser la caméra ici. Une fois, j'avais oublié de fermer la caméra quand j'étais en train de développer. Et je ne comprenais pas. Il était midi et il me disait que mon application avait pris 34% de batterie. Je me disais, bah, pourquoi ? Ça fait qu'une heure que je développe. C'est pas normal. Mais en fait, j'avais oublié la caméra depuis le début de la journée. Donc, c'est très important d'utiliser les finally quand vous faites des coroutines. De la même manière que les callbacks, vous faites des unregister. Sauf si vous oubliez, vous les oubliez pas. Hein. Vous oubliez pas les unregister. Hein. Hein. Voilà. Je regarde ma petite liste, parce qu'il y a peut-être d'autres choses intéressantes que je peux vous montrer. Vous utilisez les view models. Qui n'utilise pas les view models dans Android, dans les architecture components? D'accord, donc sinon vous utilisez les view models.
un peu. Bon, les view models, vous savez, il y a la méthode uncleared. On va faire un petit exemple pour pouvoir lancer des coroutines dedans. On va l'appeler view model parce que le nom de base, il est bien, en fait. Il me plaît. Et donc, c'est une classe ouverte pour qu'après, on puisse avoir n'importe quel view model. Voilà. Et c'est un view model. Et donc là, ça ne marche pas. Et donc je vais l'appeler archViewModel. Voilà, comme ça, je garde le nom que j'aime bien. Je préfère. Après, on a la fameuse méthode onCleared. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit un coroutinescope directement. Comme ça, je peux lancer une coroutine à n'importe quel moment. Donc, du coup, je lui fais implémenter l'interface coroutinescope. Et là, bon, il y a une erreur. Il faut que j'implémente le membre, c'est coroutine contexte. Et donc là, il va me falloir un job pour pouvoir l'annuler. Parce que si je n'ai pas le job, dans ce cas-là, ma coroutine elle va continuer à tout jamais. Je vous montre quelque chose à ne jamais faire. C'est faire ça. Donc là, je dis que par défaut, ça tournera sur le main thread. Et puis là, si jamais il y a des coroutines qui ont été lancées et que le model, il est, la méthode unclear est appelée, ça va continuer. Donc ça peut causer des problèmes. Vous avez une coroutine qui fait des choses qui auraient dû être arrêtées depuis longtemps. Donc dans ce cas-là, on va rajouter un job. Hop. Un supervisor job pour que si jamais on annule une coroutine, les autres puissent continuer de s'exécuter. Cette méthode-là, on va permettre à personne de l'utiliser. Parce que maintenant on fait tout en coroutine, on n'a plus besoin de la méthode unclear. Donc là, il faut bien qu'on l'annule. Et ici, il faut qu'on l'utilise. Donc, à la place, je fais le job plus le dispatcher main. Et voilà. Et donc là, après, je peux faire n'importe quelle classe. Donc je vais l'appeler exemple. Exemple viewModel. Et là, il va falloir se tromper. Il met le bon par défaut. Qu'est-ce qu'il est gentil. Et puis ici, je peux mettre une fonction start engine, par exemple. Non, motor. Start electric motor. Il paraît que c'est mieux pour l'air, la qualité de l'air. Electric motor. Je pense que votre application ne fait pas ça, mais si vous travaillez pour Tesla, vous pourriez avoir besoin de ceci. Donc on ne sait jamais. Et là, vous lancez la coroutine et vous allez faire de l'input à output, puisque communiquer avec une voiture externe, on est d'accord, c'est de l'input à output. Et donc là, par exemple, vous utilisez le Bluetooth Low Energy. Qui a déjà fait du Bluetooth Low Energy? Est-ce que vous avez utilisé le scan? Ou est-ce que vous avez utilisé aussi le GAT, la connexion? Vous pouvez lever votre main, ceux qui se sont connectés. Est-ce que c'est un passage de votre vie que vous avez apprécié? Non? 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 Bon, d'accord. De la même manière que j'ai commencé Caméra Coroutines, avant, je me suis pris les dents sur un autre projet. C'était fin 2017. J'avais besoin de faire du Bluetooth Low Energy pour programmer des appareils. Et l'API, je l'ai vue. Et puis, j'ai failli vomir. Après, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est que je peux vomir là, mais je vais devoir travailler et faire quelque chose derrière. Donc, je n'ai pas envie d'être malade toute ma vie. Donc, il va falloir trouver une solution. Et c'était à peu près au même moment qu'il y avait Cotine 1.1 qui était sorti et les coroutines. J'ai regardé, je me disais, c'est curieux, ils en parlent un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, j'ai regardé la documentation, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et donc, vous pouvez faire du Bluetooth Low Energy avec les coroutines. Il y a deux projets actuellement en ligne qui permettent de le faire. Il y en a un assez récent qui s'appelle ABLE, BLE pour Bluetooth Low Energy, et A pour Android, je pense. Ça veut dire Able, apparemment, aussi. Ce que j'avais fait, moi, j'avais poussé pour que ce soit open source, et donc ça s'appelle BLE GAT Coroutine. Comme le Bluetooth Energy, c'est pas quand même très sympa à voir, même voir comment c'est fait, c'est pas toujours très sympa.
je vous montre pas le détail du code, et puis parce que peut-être que vous en avez marre aussi. Mais voilà, ça ressemble à ça. C'est sur GitHub, vous pouvez regarder. Et donc, avec le Bluetooth NRJ, le Bluetooth GAT, on pourrait imaginer que là, on a une connexion. On va l'appeler GAT connection. On va dire any, hein, mais bon, c'est pas grave. Et alors, en fait, ce qu'il faut, c'est que dans tous les cas, on arrête la connexion à la fin. Donc là, on a besoin du try finally. Donc, il va me falloir autre chose. Il va me falloir un closable. Donc là, on suppose que ça nous renverrait... qu'est-ce que je suis bête ? Je pourrais renvoyer un objet directement Bluetooth GAT, puisqu'on est dans un projet Android. Bluetooth GAT. Et donc, notre connexion, ce qu'il faut à tout prix, c'est qu'à la fin, on la ferme. Et donc là, après, on peut... attendre une seconde pour pas que l'utilisateur... on va attendre deux secondes pour pas que l'utilisateur il soit surpris par la masse de 2 tonnes qu'est sa voiture. Pour pas qu'il soit surpris quand elle se déplace. Alors oui, ça demande l'API 18, on est au courant. Et puis après, sur l'objet GAT connection, on aimerait... pouvoir lire une simple caractéristique et puis que la méthode elle retourne la caractéristique qu'on a lue. Ça s'appelle des caractéristiques. C'est un peu comme des octets, mais un format Bluetooth sous énergie pour que ça consomme pas beaucoup. Donc voilà, ils ont un nom, ça s'appelle read caractéristique. Il y a aussi des descriptors. J'ai pas encore bien compris ce que c'est, mais j'ai réussi à implémenter le truc. Et donc là, en fait, cette fonction là, elle a une signature très sympa. C'est qu'elle renvoie un boolean. Donc on lui demande de lire une caractéristique et elle te dit vrai. Ouais, vrai, vrai, vrai. Ou faux. Mais bon, c'est pas très sympa. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on fasse read caractéristique et que là, on ait directement notre caractéristique. On va l'appeler carac, parce que j'en ai marre de taper sur le clavier. Mais là, c'est un booléen, c'est pas ce qu'on veut. En fait... comment ils nous permettent de récupérer les valeurs là-dedans, c'est avec la méthode connect. Non, c'est même pas ça. C'est faut récupérer un appareil Bluetooth. Ah, c'est encore pire que ça en fait. On va dire que ça me renvoie get car device. Hop. Et là, ça nous renvoie le Bluetooth device. Et donc là, on a la fameuse méthode connectGAT qui prend un contexte qui n'est utilisé pour rien. Donc je lui passe un contexte, le contexte de l'application. Il est dispo, s'il te plaît. Voilà. Et là, on a un callback. Vous le connaissez ce callback, ce qu'on fait du Bluetooth Energy ? Pour moi, il est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Évidemment, il ne va pas nous dire quand notre caractéristique va être lue, il va nous dire tout. Tout. Nous, on veut juste savoir notre caractéristique, si elle a été lue, mais il va nous dire non, tiens, je donne toute la maison. Si, c'est le lot, c'est un entier. Qu'est-ce qui me manque ? Ah oui. Les API Java. C'est autoconnect, surtout pas. Surtout pas. On est encore obligé de faire ça, là. Voilà. Et donc là, il nous reste à implémenter les méthodes.
Alors, par défaut, on n'est pas obligé de toutes les implémenter, mais voilà, on a tout ça. Voilà notre code sympa. Au début, ça devait être un doux rêve, on devait faire avancer la voiture en avant. Et puis, bah, notre code, il devient pollué avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 callbacks, et on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Donc, BLE 4 coroutine, le projet dont je vous parlais, il permet de faire simplement un read caractéristique, vous récupérez la caractéristique. Si jamais il y a une erreur, ça envoie une exception, exactement comme pour l'exemple avec Retrofit de tout à l'heure, ou pour la caméra. Et vous pouvez centraliser les choses, vous pouvez mettre une fonction qui gère les exceptions derrière, et ça devient beaucoup plus simple. Et donc là, vu que si vous utilisez BLE 4 coroutine, ici vous allez avoir des fonctions qui vont suspendre, et qui vont envoyer la requête à l'appareil Bluetooth Energy, attendre la réponse. Mais à la fin, il faut toujours annuler, qu'il y ait une exception ou pas. Et évidemment, c'est mieux aussi de gérer les exceptions. Donc, si vous mettez un catch avec le type spécifique, c'est toujours mieux. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les coroutines, vous pouvez mettre beaucoup de choses, vous pouvez simplifier beaucoup, beaucoup de choses derrière. Vous avez un process, vous vous dites, ah, on a une super idée d'application, il faudrait qu'elle fasse ça, 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 ça. Et puis après, vous vous regardez, vous commencez à mettre les callbacks et vous dites, oh là là, non, c'est pas possible techniquement. Avec les coroutines, vous dites, ah, on doit enregistrer de la vidéo, on écrit le truc une seule fois, et après, on pourra l'utiliser à plein d'endroits, et on gérera les erreurs. Oui, bon, l'erreur, on l'affiche de manière contextuelle, mais on n'a pas besoin de polluer avec plein de callbacks. Pour info, l'exemple qui s'appelle Record Camera to Video Basic, enfin, il y a Basic dans le nom en tout cas, le sample de que Google a fourni pour utiliser l'API Camera 2 pour filmer, il fait 600 lignes de code. Et les erreurs ne sont pas gérées de manière exhaustive, alors que là, avec un try-catch, c'est très simple de gérer les erreurs de manière exhaustive. Même si vous ne dites pas quelle est l'erreur exacte, vous catchez toutes les erreurs et vous annulez tout. Parce que du coup, vous avez toujours le try finally pour libérer les ressources à la fin. Donc même si vous ne savez pas exactement quelle est l'erreur, parce que c'est un code qui est parfois un peu obscur, vous pouvez quand même gérer le fait que ça ne marche pas et libérer les ressources de manière propre. Alors attention, les exceptions ne sont pas vérifiées par le compilateur actuellement. On n'est pas en Java. Donc il faut quand même savoir que peut y avoir une erreur. Le delay, en l'occurrence, il peut envoyer une exception. Vous savez que le thread.slip en Java, vous avez vu, est-ce que vous avez vu dans la pop-up là, le throws interrupted exception. Donc en Java, on est obligé de mettre un try catch à chaque fois pour pouvoir utiliser ça. Ça fait qu'on va attendre un peu, on veut gaspiller un thread qui fait un méga drame et il faut écrire pas mal de code. Bon, c'est le passé. Hein. Là, le delay, on ne voit pas d'exception dans la signature, mais en fait, si jamais la coroutine est annulée, c'est comme ça que ça s'annule, c'est en lançant une exception. Et donc, ça envoie une cancellation exception. Ou alors, si c'était une erreur, ça envoie une erreur. Alors, le delay, ça ne va pas être le cas, mais par exemple, pour notre await, il envoie une exception. Ça annule, en fait, le reste de la coroutine. Mais si vous annulez depuis l'extérieur, c'est une cancellation exception qui arrive. Et puis, ça appelle le invoke on cancellation qu'on avait vu tout à l'heure. On enlève ça, c'est mal. Le thread.slip, jamais utilisé. Sauf pour les essais, évidemment, hein, ou pour rire. Voilà. J'espère que vous avez utilisé des coroutines, j'espère pour vous. C'est un concept, pour info, qui a plus de 50 ans. Mais il n'y a pas d'autre langage JVM qui l'a implémenté jusqu'alors. Maintenant, dans Java, le siècle d'après, donc, puisque Java, c'est un langage du siècle dernier, qui est quand même bien, hein, mais qui a eu des problèmes pour évoluer, ce qui a permis à d'autres langages comme Scala ou Kotlin de se développer aussi. Hein. Java, ils sont en train de penser à mettre les coroutines sous le capot, de manière qu'on utilise du code bloquant, mais que ça fasse un peu comme des coroutines. Ce n'est pas forcément évident, mais après, quand on regarde comment ils le font, ça peut marcher. Mais ça ressemble un peu à comment ça ressemble un peu à Go. Je ne sais pas si vous connaissez Go. Go, il y a quelque chose. Go, c'est un langage fait par Google. S'écrit Go. Et dedans, il y a quelque chose qui est très important. C'est les Go routines.
pas les co, mais les go routines. Ils ont voulu faire un petit jeu de mots qui est réussi. En Kotlin, ils ont dit non, on ne fera pas les coroutines comme ça. Voilà, ils ont fait les coroutines. Vous avez vu que j'en avais parlé. D'ailleurs, on va les voir, non ? Non, c'est pas grave. Là, ici, ça se transforme en coroutine, si vous voyez bien. Après. Donc, les coroutines, en gros, en fait, toutes les fonctions sont des coroutines. C'est pas le cas ici. Ici, une fonction normale, c'est une fonction normale. Elle bloque ou elle envoie une exception jusqu'à temps qu'il y ait le mot-clé return ou le mot-clé throw quelque part dans ce qui a été appelé. En Kotlin, voilà, vous spécifiez. Et vous pouvez peut-être vous demander mais comment ça marche cette magie quand même. Je vais essayer de vous dire de manière la plus simple possible. Vous vous rappelez ici de notre fameuse continuation. Je remets le type. Donc ça, on a la continuation. La continuation, c'est en fait un paramètre qui est passé à toutes les fonctions suspend sous le capot. Et donc c'est là-dessus après qu'on peut appeler le resume with. Et là, on met une exception ou une valeur. Et donc une exception quand ça n'a pas marché. Sinon, c'est le type de retour de la fonction. Alors après, sur Internet, il y a des informations sur comment ça marche. Il y a Roman Elizaro, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les coroutines. C'est un peu mon dieu, je devais passer prendre un raccourci. Roman Elizaro, qui travaille chez JetBrains, c'est un expert sur les coroutines, sur la programmation concurrentielle de longue date. Et donc, il a travaillé sur les coroutines chez JetBrains. Et il a fait un talk à la Kotlin Conf 2017, là où il expliquait comment les coroutines étaient transformées en continuation, en montrant un code Java qui s'apparenterait à... un code Java qui ressemble à ce qui est généré en bytecode. Parce que le bytecode, tout le monde ne le lit pas couramment. C'est un peu comme le chinois. Ça peut être plus simple, finalement, pour nous, mais que le chinois. Mais voilà, ce n'est pas toujours très, très digeste pour tout le monde. Le fameux await, là, on l'a utilisé pour rétrofit. Ça marche aussi pour l'API tasks des pay services. Vous savez, dans les pay services, maintenant, il y a un type qu'on retrouve beaucoup. C'est ce type-là. Je vais l'écrire ici, plutôt. Il y a un type qui s'appelle task, qu'on voit ici, d'ailleurs. Et donc, sur ce type-là, en fait, ça renvoie un résultat. C'est un peu comme le call. C'est dans le même style. C'est un mini callback à chaque fois qu'on veut s'en servir. Alors ils ont fait quelque chose pour pouvoir les enchaîner, donc pour que ce soit un peu plus sympa à utiliser, même quand on fait que du Java ou qu'on n'utilise pas les coroutines. Mais c'est très 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 facile de le transformer en coroutine. Et je peux même vous montrer comment on peut transformer n'importe quel type task en coroutine. On fait ça avec une fonction d'extension de type T. Donc comme ça, elle sera générique. On va l'appeler await, et donc ce qu'on veut, c'est qu'elle nous renvoie la valeur ou qu'elle envoie une exception. Et donc là, on fait notre suspend coroutine. Alors l'API task ne permet pas l'annulation, donc on est relégué à ce vieil usage bien triste. Mais en général, ça répond assez rapidement, donc c'est pas trop un problème. Et là, on peut ajouter un listener sur le task, un add on complete listener. Et là, si la tâche elle est annulée, si ça marche bien, si ça s'est bien passé, dans ce cas-là. On a besoin de notre continuation, comme tout à l'heure. On fait le résumé et on récupère la valeur. Voilà, donc là, si ça s'est passé avec succès, on aura forcément de valeur.
Alors en pratique, c'est faux. Parce que si jamais c'est de type void, ça peut être nul. Mais je vais pas rentrer trop en détail, donc on peut faire après, si jamais c'est pas, il n'y a pas de succès, on récupère l'exception, on le passe dans la continuation qu'on a ici. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Enfin, on est plusieurs à avoir eu la même idée, puisque en fait, c'est la même chose à chaque fois quand on a une API de ce genre. On fait un await, on fait un suspend coroutine ou suspend cancelable coroutine si on a de l'annulation, et puis on le fait. Et donc, du coup, il y a une intégration dans le module Kotlinux coroutine. Je ne vous ai pas parlé de Kotlinux coroutine, et pourtant, on l'a utilisé depuis le début. Regardez les imports. Ici, on a Kotlinx, le petit X ici. Très important ce X là. Ça veut dire extension, c'est un peu comme Android X. Donc en fait, c'est une librairie d'extension qui n'est pas inclue dans le langage, parce que le langage, il faut qu'il soit léger. Si un jour vous voulez le faire tourner sur un appareil auditif, par exemple, vous préférez économiser un maximum de mémoire pour ne pas avoir besoin de mettre 128 Go dans votre appareil auditif. Donc ils évitent d'alourdir le langage. Donc les seules choses qu'on a, c'est on a le package Kotlin.coroutine, ça c'est dans. C'est dans le langage. Et donc là, on a le suspend coroutine, mais on n'a pas le suspend cancelable coroutine. L'annulation, qui en fait réutilise le système des exceptions, mais pour permettre l'annulation, n'est implémentée vraiment que dans Kotlinux coroutine. Vous pouvez le faire vous-même, mais ce ne serait pas forcément une super idée, parce que ça n'aurait pas forcément une bonne compatibilité avec le code qui utilise Kotlinux coroutine. Et c'est une librairie qui est vraiment très bien faite, je vous la recommande. Vous voyez que j'utilise, c'est comme ça qu'on a le launch, parce que sinon on a que le. Et qu'on a les coroutines scope, sinon on a que les coroutines contexte. Et après, il faut implémenter pas mal de choses à la main. Donc voilà, ils font ça. Et donc là-dedans, dans cette librairie Kotlinux coroutine, c'est vraiment le nom de la librairie, il y a un module d'intégration pour l'API task de Google, si vous utilisez les Play Services ou Firebase. Et après, vous avez un await disponible partout. Vous mettez votre try-catch, vous mettez je ne sais pas combien de await. Si vous voulez, vous pouvez même faire un wrapper pour avoir des fonctions suspend partout. C'est ce que je vous recommande. Si vous écrivez vous-même le code et qu'il y a des choses qui peuvent prendre un certain temps, utilisez le mot-clé suspend. Utilisez le mot-clé suspend et servez-en vous si vous faites un appel bloquant derrière. Et ça, c'est un exemple très important. Hein. Vous faites une fonction et elle va faire un travail très lourd. EV blocking work. Et on va dire que c'est de l'input à output. Et dans ce cas-là, il faut utiliser with context. Ah, s'il n'y a pas de fun, ça ne marche pas. Et donc là, on prend le dispatcher. On prend le IO. Et puis là, après, on fait notre fameux travail qui bloque tout pendant 10 secondes. Ça, vous pouvez l'appeler sur le main thread, il n'y aura aucun problème. C'est bête de gaspiller jusqu'à 64 threads. Là, c'est pas 64 threads par défaut, hein, c'est peu de threads, mais si vous faites beaucoup de choses, ça va créer de nouveaux threads pour satisfaire la demande. Et donc là, après, vous pouvez accéder à votre fichier, vous pouvez faire des choses qui bloquent. Si c'est des callbacks, il n'y a pas besoin d'utiliser le with context, à moins que l'enregistrement du callback prenne trop de temps et que ça soit un problème de performance, mais vous n'avez pas besoin de changer de ça. Et si c'est quelque chose qui est nié au CPU plutôt, donc d'où... Heavy blocking computation. Dans ce cas-là, vous allez utiliser le default. Et voilà, ça marche comme ça. Donc ça permet de transformer n'importe quel code bloquant en code qui suspend et après vous l'utilisez de manière très simple. Bon, on peut en parler beaucoup, mais je pense que c'est très simple. Hein. Vous avez le mot-clé suspend, vous avez le dispatcher, et la documentation est de bonne qualité, vous avez plein de talks. Si après vous recherchez une info en particulier. Voilà, bonne coroutine à vous. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous écoute. Question un peu bête, mais on parle beaucoup de suspens, mais comment tu gères en fait la resynchro derrière, hein, besoin d'utiliser par exemple. Si tu as besoin d'utiliser ? Celle-là, là ? Donc en fait, là, entre les deux points de suspension, c'est synchronisé. Entre là et là, c'est synchronisé. Entre là et là, c'est synchronisé. Là, on est sur du code bloquant. Quand on n'est pas sur un... Donc là, par exemple, c'est un if. Après, là, on a une méthode qui... Bon, l'accolade, il n'y a rien. Mais, comment dire, tant qu'on n'appelle pas une méthode suspend, on est toujours en train de bloquer le thread.
Alors si on le bloque 3 nanosecondes, c'est pas du tout un problème. Hein. C'est comme ça que ça marche. De toute façon, le code, il faut bien l'exécuter à un moment, il faut bien bloquer le thread pour faire 1 plus 1. Même si 1 plus 1, ça prend un seul cycle de CPU, c'est ultra rapide. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'on perd la synchronisation. À partir du moment où on fait un suspend, mais par contre, c'est toujours séquentiel. À moins qu'on ait fait, on ait fait des choses en parallèle. Par exemple, on lance plusieurs coroutines. Ce qu'on peut faire avec le async await, je ne vous l'ai pas montré, mais ça permet de mettre en parallèle des choses. Il y a plein d'exemples dans la documentation sur comment le faire. Si vous avez deux appels d'API, vous les parallélisez, vous faites deux blocs async, ça va avoir un fameux deferred. On avait vu le completable deferred. C'est un super type, c'est un type qui hérite de deferred. Et donc deferred, après, il y a la méthode await. Et voilà, mais là, ça va vraiment s'exécuter ligne par ligne. Donc là, le repeat, ça va être exécuté 10 fois, ligne par ligne. Et quand on a fini les 10 fois, eh ben, on reprend, parce que là, on a une boucle while. Si on enlève la boucle while, on pourra peut-être demander la permission. Et donc après, on n'a pas forcément besoin de synchroniser sur le thread. Mais s'il y a besoin, là, après, on revient sur le thread principal. C'est-à-dire la méthode request permission, bon, elle utilise le thread principal. La record vidéo, ce n'est pas forcément le cas. Mais une fois qu'on a fini, on revient sur le thread là où on était. On attend que ça se termine, on s'en moque en fait d'où est-ce que ça arrive. On pourrait attendre n'importe quoi, comme je disais, on pourrait attendre un clic sur un bouton. Je vais mettre un exemple dans ce projet-là. Et ce projet-là, alors il n'y a pas tout cet exemple, mais il y a toutes les méthodes qu'on a utilisées, notamment le fameux coroutine scope. C'est dans un projet qui s'appelle Splitiz. Voilà, dans le sample de Splitiz, vous avez quelques exemples, ça deviendra peut-être une librairie. Splitiz, en fait, c'est plein de petites librairies. Au lieu de faire une grosse librairie qui prend 1 méga ou même 500 kilooctets dans votre appli, j'ai décidé de faire plein de petits modules, donc il y en a 41. Mais parfois, dans certains projets, j'en utilise qu'un. Et là-dedans, je ferai quelque chose pour les scopes des coroutines, certainement. Peut-être en expérimental, parce que vu que Google risque de vouloir le faire par défaut, ça ferait un doublon, donc... Et Kotlin 1.3 permet de mettre une API en expérimental très facilement maintenant, donc c'est cool ça, pour les gens qui font des librairies. Est-ce que d'autres questions que vous voulez poser maintenant ou après? Oui. Est-ce qu'on peut faire de l'exécution parallèle, donc c'est ce dont on parlait, donc je vais écrire comme ça répondra à vos deux interrogations. Donc là, je vais faire un truc pas bien. Non, je vais faire un truc bien. Je vais faire delay. Hop. Donc là, il me dit « Ah, mais tu n'utilises jamais le résultat. » Donc je vais le mettre dans une variable et je vais dire « wait e5 ». Voilà. Et après, donc là, ça lance la coroutine. En l'occurrence, il va attendre une seconde. Là, ça va attendre aussi une seconde. Et donc, une seconde après avoir lancé la première coroutine, plus quelques nanosecondes probablement, on pourra utiliser les deux. Alors, on va peut-être donner une valeur. On va dire, ici, ça va être 2 et ici, ça va être 1. Et là, on va faire result égal wait async 1.await plus wait async 2.await. Et donc là, ça attend les deux coroutines qui sont en train d'être exécutées en parallèle. Donc il y a à peu près une seconde qui va se passer entre les deux. Et si c'est un code bloquant, vous pouvez changer le dispatcher là-dedans. Et là, après, je peux mettre un thread.slip sans bloquer l'interface utilisateur. Ça marche aussi. Et après, là, vous pouvez lancer n'importe quelle autre coroutine. Hein. Et donc c'est comme ça que vous pouvez faire du parallèle. Par contre, si jamais il y a une exception, ça annule. Hein. Ça annule toute la coroutine. C'est-à-dire que là, ça se base sur le scope actuel. Donc ça va annuler l'autre async qui était en cours, s'il est annulable. Et puis ça passera pas. Quoi. Même si vous faites un try-catch ici. Il y a une solution pour le faire, pour éviter que ça annule tout le scope. Mais je vous conseille de faire quelques recherches en ligne sur ça, parce que ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Mais en gros, avec le supervisor job qu'on a vu tout à l'heure, on peut faire la même chose.
On peut éviter que le async il annule tout le reste. Ou sinon, on peut aussi utiliser le global scope éventuellement. Et là, dans ce cas-là, après, on pourra faire un try catch sans annuler toute la coroutine et gérer l'erreur. Et donc là, on peut faire une exception, tout doux, ça va envoyer une erreur. Et là, on pourrait catcher la fameuse not implemented error envoyée par le to do. Ça renvoie à non implemented error. Voilà. D'autres questions? Bon, bah, bonne soirée. Hein. Ah, il y a un apéro!